C'est ancien directeur général douane Naoumel Bell, Akroni Célestin. Tous deux nègres ça dans collimateur ULCC. ULCC, nous connaît déjà, c'est une entité qui l'a, donc qui dit qu'à bataille contre corruption dans le pays. Me dit qui dit parce que tellement de corruption dans le pays, ça me passe ULCC gan pile bagay pour ta fait. Et gan pile non, n'attend ULCC rivé sous yo sous table là. Et c'est peut-être ça tout fait débat. Et ou là, ou la tortue mauvaise, peut-être c'est ça la PC gardé. Conseil de nègre que lui-même, lui connaît d'ailleurs, ta veille, le connaît dans la corruption vraie. Ça veut dire que lui estime que nègre sa yo, lui le lit temps pour le kawen non yo figuré dans le rapport ULCC sa produit. Mais t'assemblée ULCC sa joué coin, la vire tourne. Parce que Jean Bayo est là, faut nous garder Bayo dans tout niveau. OK. Qui ça qui passe? ULCC, l'almène enquête sur Romel Bell qui sous écran ou là, la société. Tandé? Pour qui ça ULCC était obligé à almène enquête sur Romel Bell? C'est parce que, d'après ça, il dit, y a un soupçon que Romel Bell son nèg qui t'a gampi l'argent. Et l'agent sa yo, li pat a fait yo, trop droite. Et monsieur ta nan détournement bien public. Sous base sa, directeur général douane nan, à l'époque, Romel Bell, ULCC décidé pour créer une commission d'enquête pour capable faire lumière sur le dossier sa. Et yo cité en vertu de disposition qui gagnait que la loi ba yo droit pour yo faire ça. Donc yo créé une commission pour capable enquêter conformément à article 11 12 dans décret 8 septembre 2004 qui créait entité que relait ULCC. Qui donc pendant l'opération Silla, tendez bien la société, directeur adjoint de Wanna et Douane Duport, Port-au-Prince, avec assistant Lee, n'a parlé de Ferland samedi avec Charles Miller, est assemblé, d'après ULCC, M. Sayo de manière brutale, qui voulait entraver enquête si là. Ça dit oui. Parce que Negio te temporairement pendant petit temps, yo t'a saisi un appareil qui hautement sophistiqué, appareil si là qui destiné à qui là pour inspecter et puis prélever une série de données électroniques pendant perquisition si là. Son gros bail. Bon, on reprend parti ça. ULCC, dans le cas d'enquête que l'a mené lorsque l'on a soupçon sur le directeur général douane à l'époque. Et puis, yo allé dans le bureau, directeur Anson Jibaïsa, d'après ça, yo dit, gagné directeur adjoint douane du port là, avec assistant li, n'a parlé de Ferland samedi, et Charles Miller, nèg sa yo te brutalement fait entrave ak action si la, ak d'enquête sa ki t'apral mené. Hein? Lorsque nèg yo t'apral saisi temporairement, ki donc pon titan, yon appareil qui hautement sophistiqué, appareil si la ki la pour inspecter et puis prend données électroniques. Pendant perquisition, si la ULCC t'a le faire. Dans deux pays. Eh bien, qui ça n'a pas fait? N'a pas fin posé action si la. ULCC prend note. Et puis, ils comprennent ce qui s'est passé. Rapidement, gagné procès verbal qui t'a le dressé. Un juge de paix section nord de Port-au-Prince qui était là. C'est gain l'autre et agent ULCC était là.
Eh bien, nous avons persisté pendant que nous avons commencé à faire scandale, déblosaille, comme si nous pas voulu enquêter ULCC, nous continuer à mener enquête là, parce que c'est gros dossier. ULCC te dit que nous avons persisté dans RDS, nous avons pas, dans la fréquence de l'affaire, nous n'avons pas respecté l'agent ULCC. C'est comme ça, ULCC, tu as commencé à parler, alors que, là, il dit, il connaît que, appareil ici, là, sont éléments importants que vous n'avez pas de droit, justement, saisir. Eh bien, il t'a contacté supérieur, il a parlé avec l'autre monde, etc., autorité concernée, pour demander de qui manigance, de qui prévient, que n'a opposé en action comme ça. Maintenant, DCP, ULCC, pral continuer sans peur avec enquête li pour le connaître qui s'abarrayer parce que li dit que nèg sa yo par rapport constitue une menace ou entrave pour la justice. Dossier ça, commissaire gouvernement tout est concerné par cette affaire. Eh bien, le fait que y a un signal qui lancé par ULCC qui dit directeur général douane non Romel Bell monsieur Sonnet qui t'a impliqué dans une série de dossiers côté le tagain une série de l'argent illicite qui donc l'argent pas fine clair l'argent pas fine droite qui n'en mêle pendant exercice fonction comme directeur général. Eh bien, gagné directeur général ULCCA monsieur Hans Jacques Ludwig Joseph, monsieur dit conformément à l'article 11-12 dans le décret 8 septembre 2004 là, qui crée institution, monsieur décidé pour l'ouvrir une enquête approfondie sous patrimoine monsieur Bell. Qui donc, qui ça monsieur gagne? Selon disposition, article 7 alinéa G et puis loi 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine. Yo dit que yo gen droit pour yo questionner une série de personnalités publiques, politiques, des hauts fonctionnaires, agents publics, pour yo connait exactement qui ça sa y est parce que yo doit soumettre à formalité si là pour capable faire déclaration ça yo possédé. Non seulement y a déclaré ça yo gagné le ap entrer dans fonction et yo a déclaré ça yo vinn gagné ou bien ça yo toujours gagné. Là a quitté fonction. C'est travail ça ULCC t'a fait. Ainsi, il y a une commission qui mandaté à cet effet. Commission si là qui constituait pour capable conduire enquête sous affaire patrimoine ça pour connait qui ça n'a gagné. Dans cas d'investigation qu'a mené dans date 20 mai 2022. Agent ULCC yo allé dans bureau monsieur Bell dans administration générale douane. Yo mandé tout institution financière yo. Tant kou on série de organismes publics. De on série de documents qui permettent de vérifier fiabilité on série de informations monsieur Bell bay. Ça dit monsieur dit ça le gagne. Mais yo kounya puisque gen soupçon de corruption, ULCC a mené enquête approfondie pour le connaître. Est-ce que ça monsieur dit yo? Est-ce que effectivement c'est correct? ULCC, et ça fait m'de dîner yo. M'de dit ça avec Yuri la tortue en particulier, m'de dit que m'ka comprenne. ULCC, livo et de l'ozo. Ou ka défendre tête ou c'est vrai. Mais pas courir cracher sous travail ULCC. M'ba ou forcément fait non. Mais quand même, ou la gon ti bagay. Mais gan pile moun kap commenter, c'est comme quoi moun yo profite. A saccagé ULCC, pas ne pas faire ça. C'est vrai qu'il y a appartenance politique, vous comprenez. Mais c'est pas comme si directeur ULCC a qui mène enquête yo. C'est même pas CSPJ. Hein? C'est vrai qu'il y a un scandale dans CSPJ. Mais c'est pas conseil qui mène enquête. C'est pas forcément conseil yo. Il y a des enquêteurs qualifiés préposés à cet effet. Faut comprendre. Faut comprendre. Ça dit que nous voilà comme si toute bagarre qui fait n'a craché sur l'institution yo. Remarquez,
Bon, ti blo fer la kap bat kol dans la radio parce que monsieur fait diffamation sur moi, il dit non, c'est de détail, moi, il est tribunal. Et puis, là, où on parle sur ça? C'est deux sommations recevoir là, où elle parle, il parle sur une. C'est deux, où on parle sur ça? On va parler sur ça. Quitter la justice fait travail. Ça veut dire que, moi, reconnaître capable de faire parce que nous c'est moun capable de faire qui pose. Mais jusqu'à présent, à mon avis, ULCC font bon travail. Ça dit, pas courir cracher sous travail ULCC. Faut nous clair sur ça, hein? Écoutez. Donc, ULCC, le fait que le bien soupçon de corruption, qu'on y a décidé pour enquêter davantage. Qui ça le fait? Ça veut dire que, non seulement, ils ont créé une commission d'enquête, et puis ils ont écrit des institutions pour demander des documents qui pourraient permettre de vérifier fiabilité information M. Bel de Bayo. Est-ce que l'information est correcte? Tendez bien, dans le formulaire déclaration patrimoine et M. Bel, eh bien, il y a une brigade de vérification et surveillance patrimoine, ils ont tout mobilisé pour être capable d'identifier. Bien que Bel t'a gagné avec madame ni monsieur Bel dans pile soupçon d'enrichissement illicite qui pesait sous dol yo tande monsieur dans ULCC 19 décembre 2022 il y a une commission d'enquête qui tande monsieur à partir des données que yo joigne pendant visite terrain que agent enquêteur ULCC a effectué, suivant des renseignements qu'il a joint auprès unité centrale et renseignement financier UGREF, suivant information qu'il a joint dans la direction générale des impôts, si ça va dire oui, pas minimiser enquête ULCC. C'est bon, bah, comme si il a juste fait vaguement. Il a allé dans UGREF, il a allé dans la direction générale des impôts, yo allé dans assurance des véhicules contre tiers ou AVCT. Yo allé dans ministère du commerce et de l'industrie MIC MCI. Yo allé dans institution bancaire yo. Tendez oui. Donc commission allé sous compte monsieur Bel côté que il y a des informations importantes qui concernaient l'état réel patrimoine monsieur. Pendant que tu as fait déclaration, hein, tu as semblé qu'il y a un petit bagage qui n'est pas fin clair. En plus, monsieur Bel, monsieur Pata fin dit tout ça le gagné, qui ça le possédé en termes de biens, meubles, immeubles. En particulier, en pile machine que monsieur t'a gagné. Parce que l'on a fait déclaration patrimoine, faut qu'on dit tout ça gagné. Faut dit tout le bagage. Sou gen 4 kaye, 3 sa gros amis sa gen, liwel gen gros kaye Canada, li tout son timone, piste, etc. Sou gen 5 machines, sou gen 10, faut déclarer yo. Loi rentre, c'est ça la loi dit. Mais où en Haïti, sou vle bien on egg, pas mandel pour le bon compte rendu. De bon mandon on egg comme si, pour le bon ex, ou bon sa même la kaye ou, ou vous est servante la lâcheté. La lâcheté. Bon, va ramener le détail. Donc, de bon moment de l'explication, l'y est en fâché, oui. Mais si m'voyo à lâcheté, Dieu samedi, qui problème si m'mando détail? M'ka m'mando, comme tu m'as mis sur la vanne? Kouna m'a dit m'oye courette, m'yé, bagay, on ti m'on m'bay, m'a m'mande détail. Mais ça va ka déranger amitié, non? C'est détail m'mando. Tenez bien, oui. Ça le dit que, bon réalité que, ou besoin comprenne. Parce que, qui s'arrive? M'pas écarté comme si appartenance politique soit directeur ULCC ou bien l'autre agent baronnet. Mais moi-même, m'a essayé de garder parce que, avant de parler son sujet, faut garder. Remarquez, date sur bah, ça sorti. M'pas jamais parler sur lui. Hein? Papa, courait, Jim Alix, ça. Ah, ben vérité. Oh, courait, il m'a mis le goût. Quand y a bon 1000 gouttes, il va la vendre 200 gouttes dans le marché, ou alors acheter, ou dis moi, et patron, et 900 gouttes de livres, oui, et bien 200 gouttes de livres. Qui nous fait 800 gouttes de coutailles ou moins. Comme mando détail, ça va la déranger, non? Vous comprenez ça, m'dou, écoutez. Et bien là, on commence à mener une enquête.
yo joine que monsieur Bell gen bagay que il t'est caché. Yo allé dans DGI, yo allé dans AVCT et puis yo joine gen une liste de 5 véhicules, 5 machines qui enregistré nan nom monsieur Romel Bell. Monsieur identifié par Nifli qui finit par 618-6. 5 machines t'as semblé monsieur pas déclarer ça yo. Et pour moi même moi depuis yo, mon petit ba ou besoin là pas gain. Vous comprenez? Chelsea pour fil dit besoin petit ba canal pas ca joindre. Donc monsieur gain 5 machines yo joindre. Attendez. Yo joindre 5 machines toujours. Yo joindre que gain yo continue investiguer sur monsieur. ULCC a révélé une autre liste de 4 autres véhicules qui enregistré nan nom Anna Dorville Bell, qui c'est madame et monsieur Bell. Ça veut dire entre Romel Bell et sa femme Anna Dorville, y a 9 machines ensemble. Ça y est, ça y est, constaté, oui. Peut-être pour y'en doit y'en l'autre tibaye qui sont l'autre femme ou pas, on est. On m'en s'en ça dit entre monsieur et madame, il y a presque une dizaine de véhicules. Donc on est en direct. Ça dit l'enex a y'en machine, c'est pas Bogota, c'est machine. Ah, machine gros figui, machine senti bon. Vous comprenez ça? Ça dit entre monsieur yo lui-même avec madame seulement, il y a 9 machines qui campaient dans la cour la caillou. Pas de problème. ULCC dit que l'a continué chercher des détails. Donc à partir des informations communiquées à ULCC en date du 7 juin 2022 par le ministère du Commerce et de l'Industrie, très bien. Monsieur Bell, commission enquête là pral rendre compte gagné monsieur Bell qui t'a semblé gagné tout yon station de radio ouais oh monsieur gagné radio oui radio a relé génération de la ronde FM qui enregistré dans numéro 106 registre 83 pour la période allant du 6 juillet 2020 au 6 juillet 2030. Rete. Oh. Monsieur gen radio tout. Et non pas de konne. Et la même tout folie ba yo. Ou alors ni kouri a boue monte folie bagay yo. Folie. Vous comprenez? Et fon gade ba yo, jan ba yo. Ça dit que monsieur gen radio tout. Radio sa rele génération de la onde. FM. Ça semble que radio sa qui enregistré yo bay numéro li, registre 83, pour la période allant du 6 juillet 2020 au 6 juillet 2030. Rien de problème. Alors que, monsieur pas mentionné non plus, monsieur était actionnaire majorité dans une société anonyme qui est les A et L Distribution S.A. Et ça m'a dit. Mabdou. Ah, c'est ça qui passe là. N'a pas brassé gros l'argent. C'est moi avant qui pense aux pauvres dans le pays. A dit, là où est-ce dans le poste là? Et pour emploi, si emploi il va toucher. Si emploi a fait manifestation. Et puis, après, équipe moun pa yo. Yo vin mette dans l'institution. Si moun, qui pas même passe dans l'école des douanes. Qui vini là. Qui pas même passe en ken côté. Qui anik vin là. Gen ti moun qui fait fin faire fil l'autre zami yo. La gen dans douane n'a ka brassé. Et ma blague kap fait. Et pas blague qu'a fait. Vous comprenez ça? Vous êtes belle, monsieur était belle. Monsieur était belle, explique Moïse, monsieur était belle. Écoutez, ça dit monsieur, entre lui-même, il y a 9 machines, ça y est, il y a une station radio. Il y a une station radio. Et ensuite, il y a gagné, monsieur actionnaire majoritaire dans une entreprise, dans une société anonyme, qui est les A et L Distribution SA. Avec un nombre de 495 actions pour un total de 99 000 goud. Et ça moi oui. Yo souligné que l'entreprise AEL Distribution ça qui représentait légalement par madame Anna Dorville Bell qui donc madame ni, il déclarait que le possédait 3 pompes à essence. Oh oh, là il y a une pompe gaz tout oui. Il y a une pompe gaz. Ça dit, c'est pas qui va passer là. Là, on me dit, il faut nous lire, il y a seulement des temps. Il y
Et là, chaque jour, je prends un grain chaque jour. Pas seulement des temps, il faut pas nous parler tout. Hein? Et vous comprenez? Tendez bien, oui. Ça veut dire que non seulement nous avons 9 machines entre nous, nous avons une station véhicule, monsieur actionnaire dans l'entreprise, l'assemblée, l'entreprise là, c'est madame monsieur encore qui représente elle. Entreprise à l'IRL A et L distribution. Quand vous avez craché le travail ULCCA, vous êtes capable de fly. Capable de gagner parce que j'aime souvent dire, il est humain de se tromper. Il est rare ou manomest. A dit tout le monde qui a fait erreur. Vous comprenez ça, dit nous? La chose la plus facile, justement, c'est se tromper. Ça ne va pas déranger le pays. Mais ne pas cracher sous travail ULCCA complètement. Ça dit bien, dans pile bain qui a brassé, ne pas connaître son gros travail. Eh bien, attention. Qui donc c'est madame, monsieur, te représente lui, madame Anna Dorville-Bell. Elle a déclaré que il y a 3 pompes gaz, il y a 2 t'assemblée ou pas dit dans déclaration yo. Monsieur Bel Defea, il a noté que premier pompe gaz si là, il trouvé dans Clercine, Clercine 2. Elle vous entendez? Dans tabac. Hein? Elle identifié fiscalement au numéro, on pas besoin d'il. Deuxième n'a trouvé dans Gérald Bataille, nous pas de connaît. Et pompe belle, oui. Et nous fait gaz dans pompe belle là déjà, m'bat konen. Et ouais, bah yo. Ouais, faut li bagay yo. Et puis, il a enregistré correctement. Vous comprenez? Et puis, troisième pompe là, il trouve l'encore dans Clercine. A dit, oh, il y a 2 pompes dans Clercine. Monsieur, il y a 2 Clercine plus une dans Gérald. Eh ben, pour ça, il y a pour avec compte bancaire, monsieur Bell. Monsieur, contenté, il déclaré, il y a seulement 2 comptes. Youn en dollar américain qui dans Unibank, il y a l'autre qui en good qui dans Sogebank. S'agissant de sa femme, madame Anna Dorville-Bell, déclaré seulement il mentionné un compte courant qui gain qui chita dans Sogebank. À qui on dépôt à terme au nom entreprise qui relait AEL distribution. En pourtant, attendez oui. Bon, moi reprend ça gentiment. Tendez bien. C'est grand pile nèg sur écran là, oui. Gèlè chaque jour ma pon grain, c'est m'pa ka prend tout d'un coup. On comprend ça m'tou? Tendez. Pour ça gien pour avec compte bancaire. Monsieur Bell, il déclare qu'il y a 2 comptes seulement. Il gien youn nan Unibank en dollar, gien youn nan Sogebank en goud. Quant à pour madame ni madame Anne, madame Anna, eh ben Anna c'est Anna Dorville-Bell. Il déclare seulement, il mentionne un compte que le gien dans Sogebank et puis il gon dépôt à terme. Dans nos business là qui relè A et L distribution. Alors que, investigation agent ULCC au pral mené, pral permettre de découvrir tant de pays. 10 comptes en banque pour madame Bell Agbel. Hey! Bah, yo te belle, oui. Tendez bien, oui. Et ça te fait me dire non. Parce que moi-même, je me dis, ouais, travaille pas maintenant. Malheureusement, il y a un peu de monde qui prend le temps pour comprendre. Ce n'est pas parce que, d'ailleurs, je ne suis pas politicien. Si je ne suis pas politicien, je ne suis pas adversaire politique. Je vais dénoncer quel que soit négla dans quel que soit camp lié. Je ne suis pas leader politique. Pas grand ken leader politique juste moi m'a parlé là juste moi m'a parlé là Teriel Telus pas grand ken leader politique m'a suivre tout monde m'a suivre tout nèg c'est pas parce que nèg là de PHTK et de Lavalas de petite Dessalines de l'autre parti de fusion de ce tira tira et puis s'il pose en action comme seulement critiquer parce que le sorti dans telle famille non. Ça a toujours une raison politique. Parce que attention, dossier ça a eu hautement politiquement motivé parfois. Mais jusqu'à présent, démarche que vous entreprenez est correcte. C'est-à-dire, si démarche la correcte, on ne parle pas comme si cracher totalement sur le travail ULCCA. Comprenez bien ça, m'a dit non, oui. Eh bien, le mal gardé, ULCC fait toute démarche ça. Je dis moi-même, il faut me garder le dossier. Je ne peux pas parler sur le dossier ça. En pile, je ne peux pas parler sur lui. Mais il y a des gens qui parlent de page. Qui va me donner le document dans le mail?
Nous pas faire ça. Faut qu'on lit document pour garder ça là-dedans. Faut garder ça là-dedans. Tout nèg qui sur écran ou là de passer yo, nèg tout cité. Jacques Sauveur, Jean et Tira, tout gen détail pa yo. Mais qui parle à niveau belle là non? M'a privé sur tout. Madame yo te dit te mettez l'argent batté te là tout là. Non le cité tout. Chaque gen sentence pa yo. Et ça fait ULCC li mandé pour la justice prendre responsabilité. C'est-à-dire mission travail ULCC a quand il fini le même. Il fait travail par là et même j'avais c'est même genre où me fait. L'homme dénonce son vagabond. Avant de dénoncer jeudi après soir, a passé juste un an après, Jacques Lafont a pris la raison que monsieur n'a pas volé livré, n'a pas volé moun. Mais l'homme dénonce là. Comme Jacques Lafont tellement bleu fait, il doit pas prendre au sérieux. Mais on va pas voir monter sur moun. Debout on me donne parole, m'ai élément vous ça. Oui, pas qu'un nèg qui a fait diversion non. Pas inquiété. On salue tout bon avocat. Avocat, bon avocat, on salue nous tous. A qui va dire nèg yo grand pile nèg gen les content. Yo a me rater tete en seconde. On salue tout bon juge, tout bon avocat. On salue nous tous. Écoutez. Eh bien là, yo fin déclaré t'allez. Ça dit belle déclaration de compte seulement. Madame ni dit le un seul compte. Li dit li gon dépôt à terme qui c'est pour business entreprise que yo gagne hein. Qui c'est AEL distribution alors que enquête ULCC pral découvrir que moun yo gagne pas 10 compte en banque. En belle madame ni gagne 10 compte en banque que yo pas déclaré. Oh oh kounya ça au fait attendez oui. Compte en banque ça, c'est pour Romel Bell ak Anna Dorville. Yo gen compte ça yo dans entreprise yo en plus entreprise AEL que yo gen. Yo gen yon organisation à but non lucratif qui donc qui pas rentrer l'argent entre guillemets. Yo rele organisation ça organisation remet timoun yo ORT qui enregistré dans nom madame Bell. Elle va attendre la société. En plus de environ dizaine de véhicules que vous avez, qui pas déclaré, vous dit vous avez seulement deux comptes. Madame Nigue, vous a fait trois. Alors que enquêteur ULCC, vous avez environ, vous avez 10 comptes, pas environ, non? Vous avez 10 comptes. Plus de 10 comptes. 10 comptes en banque. Là, vous pral continuer à investiguer. En plus, entreprise que vous gagnez qui est le AEL distribution, hein? Vous gagnez une organisation qui est l'organisation Remet Timounio, ORT, et l'y enregistré dans nom Madame Bell. En plus, discompte bancaire, ça, yo, commission enquête ULCC après le découvrir, yon lot compte en dollars américains qui ouvrit dans Unibank, que vous bail numéro qui finit par 6846 qui n'en nom belle ak madame ni. Tande? Alors que vous pas dit yo pas dit ça. Compte ça, li gen la dan nan époque que ote wè la yon somme de $23,400 américains sou li. En mai 2022. Yo pral continue, yo di que yo mentionne également existence yon dépôt à terme qui gen sou li $100,000 américains. Tandis oui, yo ba numéro compte ça qui nan songe banque en date du 28 août 2017. Yo signalé par ailleurs, monsieur Bell, li pat bay anken information ak sa gen pou wè ak dette ni don ke l ta recevoir. Ça pral permettre que agent yo pral continuer enquête yo pour yo découvrir à titre d'exemple. Non, pendant enquête là, il a pral rivé communiqué en date 1er juillet 2022 par intermédiaire de son avocat maître Gervais Charles copie 12 fiches de vente à crédit et c'est entreprise là qui remet les. Son entreprise, oui c'est ALTLI, c'est Advantage Trading and Surgel. Notez que
Fitch Sillayo totalise yon dette de 17 millions de goud. Tade bien? Ça dit yon pa jam di yon te gen dette ni don ki yon kon recevoir. Ça dit qu'on y a le ULCC commencé à enquêter, gagne avocat yo qui pral présenter en copie 12 fiches de vente à crédit et les regarder, yo dit fiche ça totalisé yon somme de 17 millions de goud et l'argent ça l'état contracté pour l'achat de qui ça 16 sacs ciment. 16 sacs ciment pour non 16 000 sacs ciment comme si c'est pour ça l'agence à le destiné. Commission enquête là, il précisait que de manière délibérée monsieur Bell, il gardait que pour pas fournir information exacte et complète au sujet intégralité bien que le gagne. En effet. Puisque monsieur Paca justifié augmentation disproportionnée et patrimoine ni, ça dit le pas kabay tout détail par rapport à que ça le gagne en termes de revenus légitimes. Monsieur, qui te li pas déclaré en détail tout ça le gagne en termes de biens meubles et immeubles, pendant ta fait déclaration patrimoine ni, de fait, pendant audition par commission ULCCA, monsieur Bell, qui gagne soupçon enrichissement illicite qui a pesé sous dol, monsieur était trouvé dans l'incapacité pour justifier origine foncilayo. Vous entendez ça me dit non? Ça dit monsieur pas qu'à expliquer l'agent ça ou le gain bien ça ou le gain qui côté li joindre. Pas de problème. C'est pas à partir de ce moment. Donc investigation pral continuer agent yo dans ULCC yo pral mettre à jour tout bien que monsieur pas déclaré. Pour des raisons sans doute que ou pas qu'à expliquer. Donc, vin genyen en pile doute sous façon monsieur Bell de l'argent. Yo t'a dit que au détriment du trésor public. Ça a dit gen doit c'est dans bah l'état, qu'est-ce l'état là yo déventré, li avec madame. Yo marre complotaille là. Pour gérer l'État, déventrer le détriper l'État, pas un problème. Son pays difficile, tout bon. Eh bien, à cet effet, il dit que l'enrichissement illicite, ça, c'est un acte de corruption prévu et puni par les dispositions de l'article 5.2 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Cet article s'énonce comme suit. Toute personnalité politique, tout agent public, tout fonctionnaire, tout magistrat ou tout membre de la force publique qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation disproportionnée de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes est coupable d'enrichissement illicite. Qui donc, dépousser un haut cadre ou son fonctionnaire l'État ou son agent de fonction publique là, ou pas capable, by détail, sous l'argent, sous bien qu'on gagne, sous revenu, sous son gagne en termes de bien, immeuble ou bien meuble, eh bien, ça sont actes de corruption qui punit par la loi. Et yo cite l'article 5.2, la loi 12 mars 2014, qui parlait de questions prévention et répression de la corruption. Pas un problème. On continue rapide. Yo dit que faut que yo précise que M. Bell y intégré fonction publique là, le 13 mars 1995 à titre d'inspecteur à la douane du Cap-Haïtien. Monsieur l'a longtemps dit, oui. Tendez, oui. Le ça, monsieur de Gonçalet, 2500 goud, au bon titan, 95, 2500 goud, il était inspecteur, à l'île compte douane en vrai. En 2012, monsieur vient transférer dans douane à l'aéroport international Toussaint Louverture. Monsieur vient promu comme directeur service déportation et exportation. La pré-grade. Monsieur a exercé fonction SILA jusqu'en 2015 avec l'Eldevin pour venir pour deuxième fois comme coordonnateur général bureau douanier dans l'administration générale des douanes, AGD. Et une troisième fois, en 2016, monsieur est venu à titre de responsable de l'unité d'études et de programmation. A dit monsieur son cadre qui gagne carrière dans douane. Signalons que
suivant information communiquée à l'ULCC, ça rejoint par Direction générale du budget et de la comptabilité publique, gagné et l'agent, bon, regardez-moi, et annuel M. Bell, par trois dernières fonctions exercées de 2012 à 2018, yoté 1,241,160 gouttes. Attendez, ça n'est pas important. Attendez bien, oui. D'après information, Direction générale budget à comptabilité publique, ça aurait les DGBCP. Il dit que l'argent pour Mouche Bel a gagné, l'argent le recevoir annuellement pour trois dernières fonctions li exercé entre 2012 à 2018. L'argent ça a 1,241,160 gouttes. Si mon nez ça seulement, 1,000,000. Ah, ben en tout cas, on prend. Et pour exercice fiscal 2012-2013, 2013-2014, et 1,327,140 gouttes pour exercice 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. Quant à ça, les versé à M. Bell, l'agent même que au Bali, à titre de directeur général de septembre 2018 à mai 2022, en dérive, il estimé globalement à 21,254,932 gourdes. D'abord, moi, 21,200. Ah ouais, là, le vin directeur. Ouais, qui mon el de gen? Kounia, li vin directeur baou, et puis l'argent qui est passé bien ou papa, li sorti dans 1,000,000. A dit pendant n'importe 4-5 ans là, dans 1,000,000, oui. La nique monte directeur dans 2-3 mois. Bon, moi, dans 2-3 temps là, sorti septembre 2018 pour arriver mai 2022, l'argent monsieur, l'argent salaire li, oui. A dit ça compte l'autre détail, il est passé à 21,254,932 gouttes, 98. Suivant information, ministère économie et finance, alors ULCC le bénin toute enquête. ULCC dit, li important pour nous faire remarquer, dans formulaire déclaration patrimoine analysé par ULCC, revenu annuel, Madame Bell et Monsieur Bell, c'est seulement 1,008,000 good, c'est ça, oui, moi, il est là, bon, ouais. 1,008,000 good, c'est ça, 8,008,000 good. Soit, et puis, $76,000. Ok, ça dit donc, c'est ça. Information que rejoint ministère de l'économie et finance, ULCC dit que, faut nous remarquer que, dans le formulaire déclaration patrimoine analysé par ULCC, revenu de Mounio, oui, il vini seulement 1,008,000 gouttes. Pas un problème. Cependant, pour même période 2018-2022, ça, information ULCC joigne par institution bancaire, il fait état de toute une série de transactions bancaires que Mounsila a effectuées, notamment sous compte bancaire en dollars américains. Ainsi, de 2019 à 2022, il y a 5 dépôts cash qui totalisaient une somme de $17,020. $17,020 qui effectuaient sous compte bancaire Yoba numéro 1, qui est dans BUH. À 2020, il y a 6 dépôts qui totalisaient $23,400. Ils ont déposé sous compte dollar américain, compte courant, qui n'a Unibank. Ils ont bâillé numéro 1. Pendant la même période, ça, 2018-2020, commission enquête là après le retracer des dépôts, virements et transferts importants qui effectuaient sous 4 comptes bancaires.
qui pour entreprise A et L Distribution SA ainsi de 2019 à 2020 gagné 34 dépôts importants qui fait qui totalisait un montant en dehors la société 25 587 235 gourdes. Eh bien l'argent yo effectué sur un premier compte courant commercial en goud qui dans Unibank. Pas un problème. Yo pral continuer. De yo dit de 2018 à 2022. Yo joine 148 dépôts en cash. Oui, dépôts cash money. Qui totalisait un montant total de 90 503 939 gourdes 74 centimes. Pas de problème. Yo continue à checker sous moun yo. Oui, c'est si a cherché, papa. Compte si là, c'est dans son jeu de c'est dans nom madame Anna Dorville Bell. De deux. Kounia, gen doua, servante kap travail avec ou là. Employé kap travail là. Kounia, autant de tite kap di chiffre ça ou là. Yo tombe krasé quoi ou dans kaye là. Et timone yap touche. Yap touche timone, et bien tout la yon kap brasse. Kounia, gen doua, kout sa fait dans kaye là. Un coup de ça fait mais pas moi pas fan rien c'est me te promet pays a pour me li pou li c'est li m'appli et li m'appli pour montrer nous longue nèg ici et qui donc moi ça fait me dit nous pas cracher sous travail ULCCA ça seulement n'a exigé ULCC pour continuer enquête là pas seulement rester sous nèg ça yo ou connait nèg yo d'ailleurs nèg ça gen patron gen quoi yo dépenser c'est patron yo faire dépenser. Ça dit rivé tout sous patron on attend c'est moi m'a brisé ou on est comme ça mieux depuis ça bon me dit bravo si ça pas bon tout me dénoncer nous ça dit ben on aller en avancer on continuer et parce que faut me finir là bon belle là tellement gain bagaille sous lui oh il va finir dans elle non on va finir belle oh le pari tant pile non bon moi hein belle là gain bagaille sous lui oh mes amis rete. Eh bon gade. Eh belle. Toujours belle. Pas un problème. Bon gade pour moi. Eh belle, bon fina belle. Bon moi si ma fina belle. Là, bon non. ULCC, qui continue à enquêter. Bon gade, côté m'te là. Oui. Attendez, oui. Ça rejoint encore sur ULCC. Eh bon gade. Oui. Attendez, oui. Yo dit que, en dehors, yo continue. De 2018 à 2022, vous joignez, qui ça rejoint encore? Vous joignez combien de dépôts? 62 dépôts, qui bat en total 239 088 $.32. Hein? 239 000, bon dollar, oui, là, non, bon dollar américain. Hein? Vous joignez ça, qui côté lié dans son GBAC? Sous nom, Monsieur Bell. Ah, Monsieur Bell. Ah, Monsieur Bell, tout bon anti-castan. Belle. Vous comprenez? Belle. Et de 2018 à 2022. Monsieur Gagné, et $239 000 vet. Plus passé, oui, $239 000 vet sous compte. Pas un problème. Dans le compte Sogebank. En dehors des biens que vous citez là, yo, commission enquête là, il t'a découvert plusieurs autres biens, Monsieur Gagné, ensemble avec Madame Ni, que vous pas déclaré dans le formulaire déclaration patrimoine. Et ouais, ça, sont exemplaires. En coup, monsieur gagne deux cailles qui situent respectivement à Tabar à proximité Kingdom Hotel, qui donc tout près. Eh bien, même Grenegio, et tout près zone Zamien, Zamite à Anna, comment il est encore, et Léonard? Monsieur, yo dit, monsieur gagne deux cailles qui dans zone ça, dans Tabar, qui tout près Kingdom. Et puis, il gagne une qui dans Paloma, qui dans Cap Haïtien. Monsieur bon vaste propriété agricole qui mesurait 4 carreaux de terre qui situe au Cap Haïtien. Et les gros capliers, vous comprenez? Donc, coût acquisition ça yo, c'est 3 millions de gouttes que le fait acquisition pour ça. A signaler que, gain au calcul partiel, disposition patrimoine réel, monsieur Bell, par rapport à ça le gain, ça le rentrée, revenu légitime ni. Li permet que commission constate qu'il y a une variation de 100, 159
150,831 gouda. Oh, soit un pourcentage de 748,77%. Ah bah, yo m'empile. Bah, moi, prends ça. Tenez bien, oui. Yo dit que, faut me signaler. Calcul partiel, qui n'est pas total, non? Comme si, le regarde des bagailles, monsieur, par rapport à ça, il rentrait réellement ses revenus légitimes, il permet la commission de constater qu'il y a une variation de 159,150,831 goud. Pas un problème. Tandis, oui, pour blanchir produit crime si là, il y a le CCR sa crime, pour yon capable blanchir l'argent sa yo, ou kon sa ouve, Monsieur Bell ak Madame Bell, yo servi nan non yon organisation abus non lucratif qui rele organisation Remet Timounio ORT. En pile neg yo fait ça, ou ni Celestin fait ça tout. En pile neg pour yon capable blanchir l'argent, yo arrange yo créé une organisation qui gen fondation. Mais fondation c'est lui permettre que yo blanchi l'argent. Gen l'argent yo déblanqué, yo débloqué. Tande oui? Numéro ça vrai vrai gars bizarre oui. Gen l'argent nèg yo débloqué pour yo pas comme si pas justifié comme là, yo fait le passer sous base y a aidé organisation, yo a aidé fondation. Gen nèg qui fait le bon actuellement là bon. Nèg yo monsieur son vérité m'a bail peut-être. Nous pas compte pour qui ça. Ronnie Celestin fait même un journaliste par exemple. Monsieur dans un bagage business li. Et puis ça le fait, gen des confrères en Haïti que li bay au business. Ça va déranger non, jeune garçon nèg la ba li bon business depuis pas volo al volo. OK, mais journaliste a gen wa konn pour qui ça que Ronnie ba business là. Mais Ronnie konn pour qui ça? Parce que gen l'argent sale nèg yo gagné. Faut que yo joigne on l'autre entité pour aider au blanchi comme là. Nèg yo fait sans pile. Alors que Timoun a mouri grand goût, là dans Kafou là, c'est d'être là chercher sur Timoun yo qui dans centre là dans Kafou là dans comme qui centre, nous dois oublier, pas centre bar et football là non. Et l'autre centre côté Timoun dans misère. Timoun pas qu'à manger. Nous vous merci. Nous vous merci parce que vous abonné avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous merci tout parce que vous suivez Chanel là. On sous pi gros plateforme là. Pi bon plateforme là. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour bon bagaille yo Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attend nous pour demander qui sont besoin, qui sont à remet et qui sont plus tout. Créole Promo sans souffle. Ciao.